Spectacle, théâtre d'objets et théâtre de papier, où on raconte une histoire sans parole à partir de feuilles de format 21-29-7. Donc, c'est des feuilles qu'on a transformées par le biais de froissage, de déchirage, de découpage aussi. Et le théâtre d'objets, c'est un dérivé du théâtre de la marionnette. Donc, on devient manipulateur et on met en avant les objets qui deviennent les acteurs. Et du coup, bah nous, on disparaît si on arrive à attirer toute l'attention du spectateur sur les objets. C'était très poétique, un spectacle très simple fait avec une économie de moyens. Et puis, c'est joyeux, c'est un peu triste, un peu mélancolique, mais c'est joli. Il a fabriqué un petit garçon en papier. Et ça, t'as bien aimé? Oui, et après, il lui a fait une maison. Et j'ai bien aimé. On invite les spectateurs à la manière de visiteurs qui visiteraient une entreprise. Et donc là, les spectateurs sont accueillis pour être face à un bureau. Et on est au service contrôle qualité du format 21-29-7. Et donc il y a un employé qui prend son poste et son métier, sa tâche quotidienne, c'est de vérifier l'authenticité du format 21-29-7 sur un échantillon de papier qui a été tiré de la production. Heureusement, on va se rendre compte que dans ce dispositif bien rodé, il y a une petite faille et que dans les feuilles qui sont destinées à être renvoyées pour être retransformées en pâte à papier recyclée pour avoir le format conforme, dans ces feuilles avec des défauts, il y a plus de vie que dans les feuilles très, très, très conformes, très, très formatées. Thank you.